Comment ça va? Ça et toi? Ben oui, ça va. Ça va, ouais, ça va, ça va. Ça m'arrangeait qu'on commence un peu plus tôt. Ouais, pas de problème. Parce que j'ai peut-être une contrainte à 18h30 et des fois, si ça déborde et tout, je préfère être un peu large. Ouais, carrément. Ben super. Alors du coup, ben tiens, avant qu'on commence, je voulais te poser quelques petites questions, tu vois, qui m'en disent un peu plus sur toi pour ben, que je comprenne mieux où t'en es, qui tu es, ce que tu fais. Ouais. Moi je fais surtout du ski, moniteur du ski, tout ça. Je joue beaucoup PC, surtout sur WoW. D'accord. Énormément joué à WoW, j'ai fait des top FR, top monde, tout ça. D'accord. Là ensuite j'avais pas mal joué à Overwatch, j'étais monté à 2960 sur un Smurf. Ok. T'es à Et 1960. ensuite j'ai arrêté et pour prendre Apex. Ou Apex, je suis monté Diamant. Diamant 2. Et puis voilà. J'ai déjà un peu joué à Valorant et tout, puis là je voulais revenir sur Overwatch, mais gros défaut dessus. C'est vrai, qu'est-ce qui te pose le plus de problèmes sur Overwatch aujourd'hui? Je sais pas, j'arrive pas à prendre le dessus avec les tanks, à me bien me positionner. Alors je sais pas si c'est moi ou parce que je joue tout le temps DPS et je sais pas, par exemple je jouais pas mal Genji avant, du coup là j'essaie de le reprendre. Ouais. Et j'ai vraiment des soucis à Blade parce que j'ai l'impression d'être toujours le seul à vouloir prendre des initiatives, à vouloir pousser ou... Je sais pas, je meurs un peu trop quoi. D'accord, tu meurs trop souvent. Ouais. Je suis mal positionné surtout et j'arrive plus à faire du contrôle de... Je peux contrôler un peu... tu sais, gestion des ultis, gestion setup des timers et tout ça, Ok, enfin... tout ce qui est tracking en fait, gestion des Ouais. ressources. Ouais. Ok. Ouais, j'ai fait une bonne pause mais... Ouais, du coup, t'avais joué depuis le début, c'est ça? J'ai commencé en saison. Non, ça j'ai dû commencer il y a 4 ans, 5 ans. Sur Overwatch. Ouais, quasiment au début en fait. Ouais, Du c'est coup, ça, ok. Je sais plus quel âge il a, je crois que c'est plutôt 4, mais c'est ouais. Ouais, ok. c'est ça. Depuis J'ai le commencé début. saison. Et t'as toujours joué DPS du coup? T'as joué d'autres rôles? Comment ça s'est passé? Ouais, j'ai joué un peu de tank aussi. Ouais. Un petit peu heal pour Ekana, mais surtout en tank, j'ai joué pas mal Zarya. D'accord. À Zarya quelle et période? Reinhardt. Tu te rappelles de la méta quand t'as joué? Putain. Méta triple tank, est-ce que c'était Ouais, déjà c'était GOAT? souvent dans la méta triple tank, ouais. Triple tank? C'était. Ouais. Ok. Bon, t'étais en DPS quoi. Ouais. Ok. Ça, c'est Et important de ensuite. comprendre. Ouais. Puis sinon, ouais, j'ai toujours surtout main. Quand Ashe est sorti, j'ai beaucoup, beaucoup joué. Alors, Parce tu que sais j'ai quoi, capté. t'es en DPS du coup, qu'est-ce que tu joues principalement? Alors le perso que j'ai plus joué c'est Widow. D'accord. Ensuite Widow, Ashe, Genji. Et un petit peu de Reaper de temps en temps quand même. Reaper, Tracer. D'accord. Quand il faut que je switch, D'accord. j'arrive pas à toucher quoi. Ok, c'est rigolo. Et Ouais. tu joues plutôt Iskan en fait, et du coup tu joues pas Macri. Si un petit peu aussi mais bon. Ouais, Macri Soldier, pas trop. Non pas trop non. Ok, c'est rigolo ça. Ouais. Parce que du coup tu joues beaucoup de Hitscan et après tu joues un Projo. Et après tu joues un personnage à tracking. Et du coup c'est vrai qu'en termes de mémoire musculaire, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Ouais, après je fais des exercices sur Kovacs et tout ça. Ouais. Parce que Où je parlais un peu. tu me parlais justement d'Apex, de Valorant, tu vois, ça reste quand même du hitscan, donc moi ça me choque pas quand tu me dis je joue Ashe Widow. Ouais. Après c'est vrai que c'est pas forcément des personnages qui sont faciles, et notamment dans la méta actuelle où il y a beaucoup de double shield et t'as pas de value en fait en jouant Widow ou Ashe la plupart du temps, parce qu'il Ouais. y a trop de barrières en face, donc c'est un peu chiant. Ouais, je la joue pas trop là, du coup en... pour ça que j'essaie pas mal de me remettre sur Genji mais Ouais. Et du coup, en petite question comme ça, juste par curiosité, comment, en termes de démarche, comment t'en es venu à Snowball et après pourquoi moi et pas un autre en fait, juste curiosité personnelle. J'avais regardé Snowball, je connaissais déjà Ouais. de LoL et d'Apex. D'accord. T'avais déjà Puis ensuite utilisé? ouais, non j'avais utilisé Egg One. D'accord. Et puis pour toi, j'avais regardé un peu les descriptifs. Ok, bah Puis super. vu que tu étais dans les premiers aussi qui arrivaient, voilà.
Ouais, ça fait depuis que j'ai commencé il y a quelques mois et je garde la première place depuis. Donc je suis assez Ouais. content. Ouais, Mais c'est cool. c'est pas forcément c'est pas évident parce qu'il y a pas mal de concurrence sur le secteur et du coup c'est vrai que j'aime bien demander parce que des fois ça peut me donner des idées sur des axes de progression que je pourrais faire moi pour avoir une meilleure visibilité, une meilleure communication. Ouais. Ok, donc tu Non, m'as c'est dit. pas mal parce que t'as rien. Ouais, tu te vois direct, quoi. Ouais. Alors, je t'explique un peu comment moi j'aime bien fonctionner. Ouais. Alors là, actuellement, t'as quel niveau? Excuse-moi. J'ai pop 2530. D'accord. Je suis pas mal redescendu là, je suis à 2000. Bah 2378. Putain. Ok, bon, Ouais, je suis c'est bien redescendu. Ouais. pas affolant, c'est pas affolant. Par rapport à ton high, tu m'as dit que c'était quasiment diamant, hein. Donc il y a quand même Sur le 700 sur le plus points. haut, ouais. Ouais, il y a quand même 700 points. Et quand tu étais à 3000, là, tu jouais les mêmes personnages ou c'était d'autres rôles? Je jouais beaucoup Widow et Reinhardt aussi. Ok, Widow Reinhardt. d'accord, ok. Et bah, le truc après, c'était un smurf. Je jouais avec un pote aussi. Ok. Du coup, c'était plus simple de Et lui, il était plus tourner. fort, il était bien plus fort peut-être. Non, 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 même pas. Même pas. Ok. Non. Ok. Très bien. Alors, je t'explique un peu comment moi j'aime bien fonctionner. Généralement, ce que je fais, je stream le cours qu'on est en train de faire. Comme Ouais. ça, à la fin du cours, je peux t'en extraire une vidéo. Comme ça, tu peux le garder et le re-regarder ensuite tranquillement. Quand tu as besoin de te rappeler, ah, tiens, il m'avait dit quoi le coach la dernière fois voilà. Donc, ça, c'est le côté un peu sympa du truc. Ce que j'aime bien faire, c'est de partir sur des parties que tu as fait, Ouais. d'essayer d'analyser en même temps la map, la manière dont elle demande à être jouée, les différentes compositions, quelles sont vos win conditions, les win conditions de l'équipe d'en face. On va essayer de trouver des éléments qui bloquent dans la manière dont tu peux jouer. Et du coup, à partir de ce moment-là, on va définir des axes de progrès, dire voilà, par rapport à ce que tu as fait là, ça marche pas de telle ou telle manière, pour X raisons. Et on va essayer d'identifier des alternatives, tout simplement. À tel moment, tu aurais pu faire d'autres actions et voir les conséquences que ça pourrait avoir. Ok. Alors, Alors. du coup, est-ce que tu as pu avoir des games enregistrés? Ouais, j'en ai sur le. Ouais, super. Ah, sur Overwatch, quoi. Alors, je vais te donner dans un premier temps mon stream. Ouais. Hop, comme ça tu peux aller. Et s'il y a du délai, si le stream ne passe pas, enfin s'il y a trop de décalage, je te fais la même chose sur Discord, comme ça tu seras en live. Bah, tu sais quoi, je vais te faire le Discord en live, comme ça, hop, ça va couper. Ça sera plus simple. Voilà, je sais pas si tu m'entends. Ok. Ouais, c'est super. Donc là, tu dois voir mon écran en entier, Ouais. théoriquement, et sans lag. Comme ça va me permettre de pouvoir faire les choses comme il faut. On va aller directement sur Overwatch. Hop, parfait. Et là, du coup, si t'as une game, on va pouvoir l'importer. Et puis après, je ferai des pauses sur les moments clés. Et comme ça, on aura bien le temps de voir tout ça. J'ai YKZ. Non, je vais te le copier. Oh, c'est bon, c'est bon. Okay. YKZ GND. Très bien. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de prendre une map que tu ne comprends pas forcément très bien, de regarder là où tu as un petit peu bugué, là où c'était compliqué, tu comprends pas trop pourquoi ça marche pas. Voilà, l'objectif, c'est d'essayer de creuser, quoi. Pas une game où tu as mis 3-0, tu as fait 10 POTG dans la game, et voilà, là, Ouais. c'est pas intéressant. Donc là, c'est une game qui a l'air assez serrée, 21 minutes, c'est pas mal. J'ai ça. Alors là, Et j'en attends, ai une autre défaite. ça marche. Bah écoute, je vais en partir sur celle-là. Je pense que, me connaissant, 21 minutes, on est au moins là jusqu'à 18h15. Ah ouais. À peu près, ouais. Non, c'est parce qu'il faut prendre le temps de bien tout découper et voilà.
Alors, du coup, alors je vais juste avancer juste un petit peu pour que les compositions elles soient Prêt au combat. plus figées. 1. Ok, très bien. Donc, est-ce que tu sais, alors, t'as un niveau plus avancé que le cours que j'ai fait juste avant. Mais du coup, comment toi, tu te positionnes quand tu arrives dans une enquête comme ça, que tu fais une solo queue, comment tu te positionnes pour choisir ton héros? Qu'est-ce que tu fais en fait? Quoi ta démarche? Ah, je regarde l'équipe qu'on a, je regarde ce qu'on peut mettre en setup teamfight, enfin, genre les combos qu'on pourrait utiliser, les heals aussi, par exemple, je vais jamais prendre un Genji s'il y a des heals comme Moira et Baptiste, enfin, et Brigitte, enfin, ça dépend de l'élo, mais ouais, je vais pas prendre, pas, non, de Pharah, je veux dire. D'accord. Bah, je regardais un peu notre compo, quoi, Ouais. adapté en fonction, si par exemple en face, il switch sur une Pharah et qu'on nous on a qu'un Junkrat et un Reaper, bah tu directement switch, je vais pas attendre Ok, et donc même si c'est là t'es pour faire quelqu'un qui 60% t'adapte. d'ulti. Ouais. T'essayes de t'adapter systématiquement. Et tu choisis pas en premier. T'es plutôt en train d'attendre pour Ouais. t'adapter. Ok, bah c'est déjà c'est une bonne démarche. Moi souvent ce que je dis à mes élèves c'est quand tu vas en ranked, tu laisses d'abord les tanks choisir. Parce Ouais. que les tanks s'ils décident de jouer, je sais pas moi, avec de la Orisa ou du Monkey ou un Reinhardt, toi derrière tu joues pas de la même façon. Tu vas pas, tu vas jouer autour du style de jeu qu'il a envie de mettre. Tu vois qu'il part sur un Reinhardt, tu vois que t'as un Lucio. Bon, bah, peut-être qu'il vaut mieux aller jouer de la rush en sortant une May, un Reaper ou des choses comme ça. Ouais. Tu vois que tu as, je sais pas, de la double shield. Bah, peut-être que tu vas aller chercher une hache pour pouvoir aller mettre de dynamite sur les poules ou des choses comme ça. Tu vois que ça joue un Monkey. Bah, tu vas pas aller jouer Reaper quoi. Reaper Monkey, vous faites pas trop la même chose. Donc, tu vas peut-être partir sur des compositions plus dive. Donc, là, l'intérêt c'est de bien comprendre les trois compositions. Ouais. Dive, Rush, Poke, comprendre les forces et les faiblesses de ces compositions-là. Et du coup, toi, après, d'aller jouer dans le playstyle que l'équipe a envie de prendre. Ce playstyle-là, il va surtout dépendre, donc, déjà, de ce que le tank a choisi, hein, mais le tank, théoriquement, il a pris son playstyle en fonction de la map. Là, il se trouve que la map, c'est une map sur laquelle il y a des highgrounds. Il y a une map, je sais pas si tu vois mes dessins, théoriquement, oui. Ouais. Tu as les highgrounds qui sont très forts. Et donc là, typiquement, si toi tu es équipe bleue et que tu vois qu'ils sont partis sur un Reinhardt, tu te doutes que le Reinhardt il va pas rester là-haut. Qu'à un moment donné, il va être obligé de descendre pour aller combattre. Et tant que le Reinhardt est là-haut, bah c'est pas là qu'il a de la value. Donc là, bah, tu vois, eux en face, ils ont commencé à jouer du Reinhardt, mais également de la Ashe. Ashe, c'est quelqu'un qui a envie de poke, c'est quelqu'un qui a envie de garder la high ground. Mais ton Reinhardt, il a envie de rentrer dans le tas. Et Ashe, c'est pas quelqu'un qui va rentrer dans le tas. Donc Reinhardt va probablement rentrer dans le tas tout seul. Et en fonction de la manière dont vous allez jouer, vous allez plus ou moins le réceptionner facilement. Donc ça, c'est vraiment cette démarche-là. Pareil, sur la map qui t'impose ça. Typiquement, quand tu joues Gibraltar ou Numbani, c'est très difficile d'aller sortir une rush. Parce qu'il y a des hauteurs à aller récupérer. Et donc là, tu vas devoir prendre des chemins d'accès pour pouvoir justement te libérer le top. Et si tu veux te libérer le top, toi, en attaque avec une rush. Bah malheureusement, soit t'attends que le payload soit bien placé et tu sautes, bah soit tu fais tout le tour quoi. Et c'est très long. Et face à de la poke, bah, c'est eux qui ont l'avantage. Donc là l'objectif c'est vraiment de regarder la map, la géométrie. En fonction de ça, tu choisis ton tank. Et en fonction de ça, toi tu vas pouvoir choisir enfin ton DPS. Donc ça c'est vraiment la base. Ensuite, comme tu me disais si bien, il faut regarder les win conditions. Il se trouve que là, t'as une Brigitte. Brigitte c'est pas mal pour accompagner un Genji, ça peut overheal, donc elle peut te stacker le heal et après hop, toi tu t'en vas et tu pars faire ce que t'as à faire. Tu as la Nano Blade et au final c'est une super condition de victoire. Donc vous pour gagner, ce qui est intéressant, c'est d'aller aider la Ana à farmer son Nano. Donc typiquement, si toi tu joues, je sais pas moi, Reinhardt et que t'as pas trop de value, bah, possiblement plutôt que de tout shield, peut-être que tu vas faire exprès de te prendre quelques dégâts. Pour pouvoir augmenter la charge ulti de ta Ana de manière volontaire, pour permettre d'avoir la Nano Blade le plus rapidement possible. C'est une des façons de faire. Ça se fait beaucoup quand tu dives, hein. En fait, hein, quand tu dives, souvent, tu acceptes de prendre un peu de poke gratuit, tu farmes le plus vite possible un Nano, et dès que tu as le Nano, tu y vas avec ton Winston en Nano ou des choses comme ça. C'est comme ça que tu vas prendre une poke, notamment quand tu joues dive. Donc pour vous, vous avez une super win condition, vous avez un pneu, il va se jouer tout seul.
Et après, vous avez double shield un peu brawl, d'accord? Et il se trouve que vous avez la Brigitte. Donc du coup, le brawl au sol, il va être plutôt ok. C'est juste que le Junkrat, sa value, c'est surtout pour aller casser des shields et pour spam. Et toi, Ouais. t'as surtout envie d'aller flank. Et donc là, les deux DPS, vous n'avez pas envie de faire la même chose. Et du coup, le style de jeu que vous proposez, il est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. C'est ni poke, c'est ni dive, c'est ni rush. C'est un peu hybride, quoi. Là, c'est un peu de la rush poke flank. Tu vois, Ouais. c'est un peu particulier. Il se trouve que vous n'avez aucun personnage qui va avoir la capacité d'aller contester le high ground, si ce n'est toi. Sauf que toi, aller sauter sur un Rodog avec une tourelle de Torbjorn, avec la possibilité de te prendre une nade et une dynamite et te prendre un coup de chevrotine, toi tout seul pour contester le top, c'est quelque chose qui va être compliqué pour ta game. Donc là, Ouais. du coup, tu vas devoir adapter ton style de jeu en fonction de cette composition-là et te dire comment est-ce que je vais pouvoir me créer de la value sur cette game-là. Et là, typiquement, tu vas être vraiment embêté à cause de lui. Sa tourelle va complètement t'empêcher de flanquer. Et donc là, potentiellement, il faut se poser une question de, ok, par rapport au style de jeu, est-ce que je continue à garder mon Genji? Si oui, il faut que l'équipe, elle joue pour toi. Donc potentiellement, si tu joues avec un coéquipier et que lui, c'est ton mate, tu peux très bien lui demander de prendre une Zarya pour te bubble au moment où tu vas partir faire ta nanoblade, par exemple. Tu peux garder ton personnage, hein. Ouais. C'est pas impossible. Mais ça veut dire que du coup, il faut que l'équipe elle vienne t'aider. Mais là, sur le papier, qu'est-ce que tu as comme contre? Donc toi, tu as une Nanoblade, d'accord? C'est ta win condition. Maintenant, il faut regarder les contres. En contre, il n'y a pas d'ulti défensif en face. Mais il y a Bob. Bob, il va t'embêter. Il y a la Ouais. tourelle qui va t'embêter. Il y a le slip qui peut t'embêter. Et on va avoir l'immortalité qui est une condition qui fait que ça peut casser ton dash reset. Donc là, c'est un peu compliqué. Et après, qu'est-ce que tu as? Tu peux te faire shatter. Et tu peux te faire hook. Donc, c'est pas un personnage où ça va être facile. Tu peux le faire, hein, mais je pense Ouais. que ça va pas être facile. Là, clairement, d'aller flanquer avec ce qu'ils ont, c'est pas forcément facile. Donc moi, vu la composition, là, la bleue, tu la connais pas de base, hein, mais vu la Ouais. composition qu'on te propose au départ, c'est soit ton Junkrat il change et il va manipuler de la tension avec toi parce que pour, on va dire, diluer la tension que tu auras. Imagine, tu joues avec une Pharah, ils vont devoir deal la tension entre la Pharah et le Genji qui flanque. Et donc, Ouais. du coup, tu es plus ou moins tranquille. Là, si toi, tu vas tout seul dans leur backlane, que tu fais un flanking tout seul, ils vont s'occuper de toi. Donc là, du coup, ça va être très très, très dur d'exister. Ah, ça aurait été une hache, quoi. Eh bien alors, soit tu pars sur de la hache, et pourquoi ça peut être intéressant? Hache, c'est intéressant parce que vous avez deux shields. Ouais. En face, il n'y en a qu'un. Donc si tu veux partir sur une guerre un peu de spam, tu vas la gagner parce que toi, tu as deux shields. Et donc du coup, tu vas farmer plus vite ton Bob. Tu vas mettre plus de dégâts. Donc là, c'est intéressant. Le problème, c'est que quand tu joues avec Brigitte, t'as pas envie de spam. T'as pas envie de jouer lentement. Avec Brigitte, t'as envie de rentrer dans le tas. Donc là, en partant sur de la hache, t'aurais quand même un point mort dans ton équipe qui serait la Brigitte. C'est important de comprendre ça, la notion de rythme que tu veux mettre dans la game et la notion de la manière dont vous allez jouer ensemble. Et c'est comme ça que tu vas beaucoup progresser. Là-dessus, par rapport à la composition qu'il y a en face, oui, je pense que tu pouvais quand même jouer H. Parce que de toute façon, avec double shield, tu prends pas trop de dégâts. Et Brigitte, elle aurait pu mettre de la présence sur le payload pour avancer. Ou pour le bloquer. Donc pourquoi pas. Et en tout cas, le Torbjorn aurait servi pas à grand chose, quoi. Donc H, pourquoi pas. Après, il y a un mec qui va vraiment beaucoup vous embêter. C'est surtout, ça va être le Rodog qui va être un peu chiant pour vous. Et là, du Ouais. coup, un des trucs, tu vas contrer ce mec-là. Et pour le contrer, moi, ce que j'aime bien jouer, c'est soit de la Mei, soit du Reaper. Et en gros, Ouais. tu vas créer une zone autour de ton payload où les mecs d'en face, ils vont pas pouvoir venir. Qui sont les personnages qui peuvent contester la progression de ton payload en face? Il y a Reinhardt. Il y a Rodog. Ashe, elle va jouer de loin. Ana, elle joue de loin. Torbjorn,
Ouais, Torbjörn, il va jouer entre deux, quoi. Torbjörn, c'est pas lui qui va venir sur le point pour dire je tanque avec ma tête, quoi. Il va jouer assez loin. C'est un pro. Et donc, en fait, les deux seuls qui vont être sur le PO, c'est eux. Donc, du coup, si tu joues un personnage qui les empêche de venir sur le payload, typiquement ça peut être une Mei, ça peut être un Reaper. Moi je te conseillerais Mei, pourquoi? Parce que Mei tu peux glacer les gens, il y a ton ulti qui est très fort, tu peux mettre un mur pour bloquer un shatter, tu peux mettre ton mur pour aller bloquer la fenêtre de Baptiste, tu peux mettre un mur pour bloquer le Bob. Donc c'est beaucoup plus versatile. Après, faut aimer jouer ce personnage et toi tu m'as dit que tu étais quelqu'un plutôt Iscan. Ouais. Donc par rapport à ton pool de héros, bah je trouve que Genji ou Ashe, c'était quelque chose qui pouvait être intéressant. Et même Widow. Widow aurait pu être encore plus intéressante. Pourquoi? Parce que tu vas prendre des picks sans jamais avoir besoin de sortir pour aller prendre des risques comme avec Genji. Et Ouais. sur la long range, tu vas pouvoir prendre la Ana facilement. Tu vas pouvoir prendre la Ashe aussi facilement. C'est toi qui as l'avantage sur la Ashe. Ouais. Donc par rapport à tes picks, une Widow c'est quelque chose qui peut être intéressant. Par contre, du coup, t'as plus de vraie win condition. T'en as plus. En face, il n'y en a pas non plus. Donc à la limite, c'est ok. Ça fait bizarre hein, des compos un peu hybrides comme ça. C'est dans Ranked, ça fait longtemps qu'elle est sortie celle-là? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Ouais. Je crois que c'était aujourd'hui. Alors on va regarder un peu de. Est-ce que t'as des questions déjà avant de que je lance? Par rapport à Non, ce non, qu'on vient ça de voir là. Ça c'est clair? va. Ouais. Ça, c'est important, tu vois, de parcourir à chaque fois les compositions, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui peut te bloquer, qu'est-ce que tu vas vouloir faire, etc. Ouais. Donc là, tu dois build une blade. Ton seul objectif pour le moment, c'est de build une blade. Donc, qu'est-ce que tu fais pour build ta blade le plus rapidement possible par rapport à la compo d'en face? Bah, essaye de flanquer et de mettre un. Le problème, c'est que j'ai trop de chances de me faire catch. Donc, j'essaie de passer derrière. Ouais. Et de mettre un rush. Histoire de retourner vers mon équipe. Enfin, mettre rush, clic droit et petit Ouais, combo. Mais. là la meilleure cible que tu vas avoir en face pour farmer ton ulti, ça va être le Rodog. Hein. Ouais. Le Rodog il va finir. Hein. Donc là du coup, si tu sais que c'est lui, bah faut pas hésiter. Hein. Oh, lui il finit en face. Hein. Là il y a plus de shield. Là la tourelle c'est intéressant que tu as avant que tu partes. Avant que tu partes et que tu partes sur une agression où tu joues devant ton shield. Là c'est bien. En fait c'est presque toi le seul ici là qui peut péter la Ouais. tourelle, tu vois. Et si tu Ouais. casses la tourelle, t'as 10 secondes pendant lesquelles tu vas pouvoir flanquer gratuitement. OK. Et donc casser la tourelle pour toi c'est quoi? Ça doit être 6 à 7 shurikens. Donc faut le faire Ouais, quoi. c'est rien. Et là après tu vas pouvoir agresser gratuit. Voilà. Et là ça y est, là t'as 10 secondes où t'es gratuit. Alors, sachant qu'en plus, le Torb il était mort. Hein. Donc Ouais. c'est-à-dire qu'il faut le temps qu'il revienne et qu'il pose sa tourelle. Donc tu sais que la tourelle elle va être posée forcément sur la droite. Ça c'est pas mal. Ah c'est bon, on entend la tourelle. Là tu vas défaire la maid, ça se sent. Ouais, là quand tu fais ça, ce qui est intéressant, plutôt que de faire un clic gauche où tu balances les 3 shurikens en ligne droite, là tant qu'à faire, maintenant que tu as eu le buff sur la dispersion, et t'as une cadence de tir qui est beaucoup plus élevée sur le clic droit. Donc là, Ouais. il faut spam le droit. Si tu veux spammer du OK. shield, c'est du clic droit. C'est là comme ça que tu maximises ton DPS. Par contre, si tu veux essayer de viser la Ana qui est derrière le shield pour quand le mec il va lâcher son shield et essayer de lui mettre des headshots, parce que là tu risques pas grand-chose, hein, bah là tu peux te permettre de faire les tirs droits. OK. Enfin, clic gauche du coup, mais quand j'ai droit, ça revient. Et là, la tourelle. Tu touches pas la tourelle, tu n'as pas l'espace qui est libre, d'accord? C'est-à-dire Ouais. que là la tourelle elle te bloque peut-être cet espace-là. Attends, je vais essayer de dessiner l'espace qu'elle te bloque. Grosso modo. Il y a tout cet espace-là dans lequel tu ne peux pas aller. Ouais. Et du coup toi tu dois jouer loin. Et pourtant avec Genji ce que tu as envie de faire c'est d'aller dans le tas, de mettre un dash reset, retourner dans l'autre sens, etc., etc. Donc là quand tu joues face à ça. T'es le seul hein, dans ton équipe qui peut aller péter la tourelle facilement. Ou l'Ana, tu vois. Ouais. Donc il faut vraiment pas que t'hésites à t'enlever les éléments de pression que t'as sur toi, surtout quand tu hypothèques que 2 secondes de DPS quoi. Là c'est pareil, hein.
Là, c'est tu fais du clic gauche, mais sur lui, c'est du clic droit. Hein. Il est au corps à corps, la dispersion a été réduite. Tu vas mettre systématiquement tes 3 shurikens, sauf que tu vas taper beaucoup plus vite. Ok, putain, j'avais pas vu le patch. Là, la tourelle, elle t'empêche d'avancer. Hein. Ouais. Donc là, t'as ta condition de victoire. Tu sais que le pod, il a été claqué. Donc Ouais. après, là, c'est toujours en termes de décision. On est dans le fight. Est-ce qu'on a envie ou non de claquer une blade? Est-ce que c'est pas déjà un fight qui win? Est-ce qu'il vaut mieux le garder pour le fight d'après ou pas? Là, je pense que le fight, vraisemblablement, il est gagné. Hein. Libérez votre force intérieure. Ah oui, d'accord, c'est Nano Brigitte. Bon, ben, je suis désolé. Hein. Tu as passé une sale game. Tu vas passer une sale game, pourquoi? Parce que vous avez qu'une seule et unique win condition Ouais. dans votre équipe. Tu es en position pour aller faire ta win condition. T'es là, t'es disponible, hein, t'es frais, hein, ça se voit, hein, t'es là, t'es chaud. Hein. Elle a voulu sauver Brigitte, ok, j'ai compris. Ok, j'ai rien dit. Elle a sauvé Brigitte, j'ai rien dit. Excuse-moi, j'avais pas vu le petit détail de où sa vie était descendue à 4 PV. Ok, donc ça va, tu vas peut-être passer une meilleure game. Mais là c'est win condition, et là du coup tu penses que tu nano. Enfin, tu pars en blade. Ouais, je peux remplir d'un bac. Ouais, alors je sais pas si c'est nécessaire. Parce Parce que que c'est t'as. déjà win le fait. Pour moi, c'est win, hein. Tu vois? Ouais. Je sais même pas si t'as tapé Ouais. quelqu'un. T'es où là? Ah ouais, tu vois. Et donc là, du coup, bah, parce qu'elle a blade. Enfin, parce qu'elle a nano, pardon. Du coup, tu te dis, bon, bah, je vais me resynchroniser parce que de toute façon, je vais peut-être attendre son prochain nano pour y aller. Parce qu'en face, il y aura peut-être un Bob. Parce qu'il y aura peut-être plein d'autres choses. Donc ça peut se valoir. Mais pour moi, c'était une ressource que tu aurais pu garder. Et que tu aurais pu, par exemple, balancer ta blade après l'ulti Sigma. Pour récupérer les mecs qui tombent au sol, tu vois. Ouais. Une fois qu'ils sont low HP. Tu aurais pu faire ça comme ça. Ou alors, tu peux te permettre également. Alors, il y a plusieurs techniques, hein, mais tu peux également te permettre de faire une blade. Pour faire en sorte, un peu comme une bombe de diva, que les gens s'éloignent de toi. Pour Ouais. faire le chien de berger pour le pneu. De Junkrat. OK. Tu vois, Ah ouais. tu peux faire des trucs un peu inventifs comme ça, où en fait ta blade, souvent les gens ils disent ouais mais moi quand je lance un ulti c'est pour tuer, ouais mais non mais pas toujours en fait. Parfois ton ulti il a pour vocation à faire gaspiller des ressources ou alors faire en sorte de manipuler le positionnement de l'équipe adverse. Et ça tu le vois beaucoup typiquement, tu peux très bien faire, je te prends un exemple, t'es avec Makri, tu fais un Ainoun, du coup les gens ils vont se cacher. Ils se mettent dans des angles morts, et à ce moment-là, toi, tu mets ta bombe de diva dans l'angle mort. C'est échec et mat. Ils sortent, ils prennent le Makri, ils restent, ils prennent la diva. C'est vraiment comme ça que tu peux faire des combos d'ulti assez inventifs. Ouais, tu fais jamais de clic droit. Hein. Ah, ça y est. Ouais, le clic droit, il a changé. Hein. Le Ouais, cône, en fait, je vais faire un exemple, mais avant le cône, c'était peut-être comme ça, ouais. grosso modo, et maintenant le cône, il est comme ça. Ah ouais, Il ok. est réduit, j'exagère exprès pour que tu comprennes, mais il est beaucoup Ouais, il y plus a vraiment. réduit. Et ce qui fait que souvent, avant tu mettais un seul shuriken, maintenant t'en mets deux, même quand le mec il se Ok. déplace, si t'as suffisamment près. Donc c'est intéressant. Alors moi j'aime bien le fait que tu contrôles le top. Ça c'est bien joué ça. Ah. T'es mort de vieillesse. En fait le problème c'est que dès qu'elle t'a touché, la hache, après bon tu dois le savoir mais en fait si elle te met une dynamite et qu'elle te touche une fois, t'es Ouais, mort. t'es mort. T'es mort. Donc là, du coup, il faut pas perdre de temps, faut rusher plus vite que ça dans la backlane. Il Ouais. faut gaspiller ses ressources vraiment pour essayer de survivre. Sinon, tu meurs de vieillesse là, comme ça. Tu l'as le dash, tu vois. Là, à ce Ouais. moment-là, bah, faut dash là, bam, le plus vite possible. Ok. Ouais, je pensais qu'en passant par l'arrière, je pourrais... que ça retournerait plus. Ouais. C'est une game un peu bizarre, hein. C'est une game un peu bizarre, c'est plutôt brouillon. Je pense qu'on verra plus de choses sur.
Regarde les deux, ils sont en train de se battre à l'opposé. Le reste de l'équipe qui Ah ouais. chope les bugs, il aide pas. Le mec qui sort, il est tout seul, il balance un ulti. Enfin bon, c'est une game qui me paraît compliquée et je comprends que t'as un peu de mal à exister en tant que DPS là-dedans parce que y a pas de. La game elle a pas trop de sens quoi sur celle-là. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu un FFA. C'est free pour tout le monde quoi. On se Ouais, déplace, c'est c'est. un deathmatch et. Là, le seul truc que tu dois faire gaffe, maintenant, ce qui est un ulti défensif, ça va être le. Ça va être l'ulti Lucio. Ouais. Oh l'enfer. Et là, en termes de positionnement, tu vois, tu peux pas avoir de heal. Et là, tu pars sur un nouveau duel. C'est dommage. Parce que ton objectif, là, tu l'oublies. Ton objectif, c'est ça. Et en fait, là, t'es très 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 tunnel vision et tu veux prendre ton duel sur la hache qui est là-bas et tu meurs pour ça alors que du coup vraiment ton seul objectif c'est déjà quand t'avais 7 HP t'as pas forcément envie d'aller prendre un duel contre la hache. Pourquoi? Parce que pour elle c'est beaucoup plus facile de te mettre juste un petit shot de rien du tout même au niveau du ventre et elle te tue quoi. 7 HP t'as pas Ouais. envie. Là ce que tu peux faire c'est aller créer de la présence sur ton objectif, sur le point, pour l'aider à finir plus vite possible. Ah ouais, mais ça c'est game compliqué quand même. C'est vrai, hein? Ouais. Donc là, ta Blade, est-ce qu'elle a de la valeur? Pff, ouais, pas trop, hein. Le combat continue. Pourquoi ta game, elle a... enfin, ta Blade, elle a pas trop de value? Parce que t'as toujours celui-là, avec sa tourelle. Elle peut te repousser. Elle peut s'échapper. Là, il y a deux bulles. Ouais. Lui, tu le tueras jamais. Et lui, si jamais tu le tues pas, il te boupe, il speed et c'est fini. Et si t'es pas nano, ça risque d'être compliqué. Donc là, Genji, très dur à faire fonctionner dans votre composition. Alors, en termes de target, je vais remettre un peu en arrière. En termes de target, t'as pas pris forcément les bonnes. Genji, c'est un personnage que tu joues souvent ou c'est un personnage que. Je jouais beaucoup aux premières saisons. Ouais. Après, toute une grosse période où je jouais plus, voilà, la période Brigitte, hein. Après, j'ai arrêté de jouer, donc. Ouais. Bah là, t'as ta win condition qui est présente. Donc, tu as le nano qui va arriver. Ça, c'est cool. Ouais. Qu'est-ce qui t'embête en face? Ça. C'est le seul truc qui vise bien, tu vois. C'est le seul truc qui va jamais te rater. Donc ça, tu le détruis. Une fois que c'est détruit, il n'y a plus grand-chose qui t'embête. Maintenant, il faut, ce que je dis souvent, j'essaie de te reprendre un petit schéma assez sympa. C'est, on va prendre les phases de jeu. Ouais. Donc là, typiquement, il y a trois phases de jeu. Donc tu as avant le fight, ce qui est en train de se passer en ce moment, en fait. Où tu vas prendre les hauteurs, tu vas te positionner comme tu veux, etc. Il y a une petite phase de spam, c'est-à-dire que les deux équipes elles sont face à face, elles sont en train de se tirer dessus, l'une puis l'autre, et puis on est en train d'essayer de gratter les ressources à gauche et à droite. T'es en train de farmer ton ulti, t'es en train de prendre les informations, c'est-à-dire qui est positionné à quel endroit, etc. Et quand tu vas aller faire ta blade, cette phase de scouting elle est super importante, parce que en gros, t'es en train de faire le schéma des constellations, hein. T'es en train de te dire qui est où? Ok, mes targets à 200 HP, j'en ai une ici, j'en ai une là, j'en ai une là, ok. Alors, hop, constellation, c'est ça, c'est tac, 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 voilà. Grosso modo. C'est comme ça que tu dois, quand tu, avant de faire ta blade, tu t'es déjà en train de tracer le chemin des targets, de là où elles sont. Donc ça, Ok. t'es obligé de le faire. Ouais. Une fois que t'en es là, tu vas avoir la gestion des CD. Donc là, ça, là, ici, c'est ton ulti, d'accord? L'ulti te permet de passer sur une phase d'agression. De avant le fight à c'est bon, les gars, on y va, on engage, on risque notre vie à partir de ce moment-là. Là, tu es sur la gestion des CD. Quand tu es sur une blade, le CD le plus important pour toi, ça va être le dash reset. C'est-à-dire que Ouais. tu as besoin de reset ton dash pour continuer à tracer ta constellation et arriver à aller tuer les targets dont tu as besoin. Et là, du coup, si tu te trompes une seule fois,
que tu prends une target que tu ne tues pas, t'as pas le reset. Donc là, du coup, quand tu fais ça, bah, il faut prendre les targets les plus simples. D'accord? Et donc, dans la phase de gestion des CD, tu dois les dire, est-ce que elle a son shade? Si elle a son shade, tu sais pas elle que tu dash. Si elle a ses bubbles, si elle a sa self, tu sais très bien que tu vas pas aller sur elle. Et puis elle a beaucoup d'HP. Donc t'as pas forcément envie d'aller dessus. Si elle a là ses deux bubbles, et que tu dashes par exemple une cible qui est beaucoup trop loin, tu la tueras pas du premier coup. Du coup, plutôt que de faire, je sais pas, 3 kills, t'en feras peut-être qu'un. Donc t'es obligé, avec Genji, avant d'agresser, de faire un état de l'art. Tu vois, tu t'arrêtes, tu prends un stylo, un papier, et tu dis bon, qui a son ulti en face? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me bloque? Non. Ok, il n'y a pas de shutter. Il n'y a pas de grave. Il n'y a pas d'outil défensif pour le moment. Ok. Qu'est-ce qui peut bloquer ma chaîne de combo? Les bulles de Zarya, est-ce qu'elle les a? Ah non, elle les a pas, très bien. Le shade, ah il n'y en a pas, c'est bon, très bien. Tu vois? Et c'est là que tu dis ok, j'y vais. Et c'est là comme ça que tu vas maximiser tes blades et que tu vas pouvoir t'en sortir le mieux possible. Et donc là, du coup, hop, je te mets une vue haute. Tu pètes l'élément qui te gêne. T'as une bubble de Zarya qui est partie. Donc tu sais que maintenant, à ce moment-là, tu ne vas pas subir de DPS. Donc tu vas pouvoir rester dans le fight longtemps. Et que derrière, si tu dashes sur quelqu'un, il n'y aura pas le peeling de la Zarya. C'est une super nouvelle. Et là, malheureusement, bah, c'est téléphoné. Regarde le temps que tu vas mettre pour lâcher ta blade. Et alors là, du coup, t'aurais pu faire. Alors là, bon, tant mieux, hein, les deux ils sont côte à côte, tu les tues, c'est nickel. Ouais. Tant mieux. Là, le dash, il part pas au bon endroit. Ouais, je fais de la merde là-dessus. Voilà. Et du coup, tu perds énormément de coups d'épée. Et en plus, du coup, tu vas prendre la seule target, au final, que tu ne peux pas deflect. C'est celle qui a le plus de PV et tu peux pas la deflect. Alors que si t'étais parti sur Ashe. Ou le torbe, bah je pense que t'aurais tué les deux. Bon après tu tues Lazaria c'est bien. Hein. Et après c'est pareil, tu vois le dash, t'es trop précipité, t'attends, je sais pas moi, t'attends 0,2 secondes et tu vises quoi. Tu sais ce que je veux dire? Ouais. Ça s'optimise. Ça c'est quelque chose que tu maîtrises ou pas? De quoi? La façon d'aller taper ta blade? Ah bah pas trop justement, c'est ça que j'essaie de travailler. Ok. Bah Bah. j'essaie de gérer bah ouais. Enfin les. Je pense J'ai un que peu sur les un. CD tout ça, mais les dash, enfin je trouve que je l'avais. Je pense que sur un début de personnage, enfin un début de maîtrise de Genji, moi je vais plutôt te recommander de jouer slow. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer de faire 4 kills, essaye d'en faire 3. Tu vois? Ouais. De bien maximiser ton dash. Et puis quand tu seras bien à l'aise, en fait, tu verras que progressivement, tu vas augmenter le rythme, augmenter, 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 et tu vas t'en sortir de mieux en mieux. Il y a pas mal de training hein, pour faire des dash des blades de Genji. Il y a des modes arcade où tu te positionnes comme ça, et tu positionnes, enfin toi tu te mets à l'endroit où tu veux, et après toi-même tu positionnes les targets sur la map. OK. Et grâce à ça, après bah, tu appuies sur ta touche blade, et hop tu pars, pam, 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 tu essayes de faire tes constellations. Et de tous les tuer en un seul truc. Genre, t'as le mode où, avec le mode forge, il va te donner le nano automatiquement. Et donc, du coup, tu peux t'entraîner en ayant le nano sans avoir le nano. OK. C'est vraiment bien. Si tu veux train sur Genji, moi je peux te conseiller de prendre ces codes de forge. Il faudrait qu'on aille chercher ensemble. Là, je les ai plus. Mais je les ai eu à un moment. Et moi, quand je m'étais entraîné sur Genji, je faisais ça. Et vraiment, les blades, il y avait un avant, un après, quoi. Ouais, parce que je les gère quand même pas très très bien quoi. Bah, c'est le côté le plus fort hein, de Genji, hein, c'est les blades. Ouais. Hein. Une blade, c'est un fight gagné. Hein. Ouais, c'est ça. Et la difficulté que tu as avec un personnage comme Genji, c'est que tu vas passer allez, 1 minute 50 de temps de jeu pour 8 minutes de blade. Puis 1 minute 50, 8 secondes de blade. Excuse-moi, j'ai dit 1 minute. Pour 8 Ouais. secondes de blade. Et donc, t'as pas le temps de bien t'entraîner. Alors que là, quand si tu fais un mode dédié. Tu vas faire 8 secondes, ok, puis tout de suite 8 secondes, puis tout de suite 8 secondes. Et en gros, ça devient ton mode de jeu principal, la blade. Et du coup, c'est vraiment là que tu t'entraînes et que tu vas fluidifier ton mouvement. Donc, Ouais, très clair. entraîne-toi sur des modes forge dédiés à Genji pour la blade. Et après, tu verras que quand tu fais tes games, ça va se passer beaucoup mieux. Et bon, je reste toujours convaincu à ce moment-là que Genji n'est toujours pas le meilleur personnage par rapport à votre composition. Hein.
ça reste dur à jouer là. Et je sais pas trop te dire pourquoi en face ils arrivent pas à gagner. Je sais pas, j'arrivais bien à être 8. Ah, tu fais vraiment énormément de d'explications. Ouais. Tu vois, clic droit, bam bam, t'as vu comment ça va beaucoup plus. Ouais, ouais. Là, c'est bien, là, tu vois, c'est exactement ça que. Par rapport à ton compo qu'on attend du Genji, c'est presque. Y'a que toi qui peux le tuer la tourelle facilement. Les autres, Reinhardt il peut pas, Sigma il a pas toujours la range, Anna elle a autre chose à faire que de casser la tourelle, elle doit soigner les mecs. Et toi, tu prends deux chargeurs et hop, c'est fini quoi. Ouais. Alors on va refaire le travail inverse qu'on a fait tout à l'heure. Maintenant on va parler un peu de ta composition et là c'est toi qui va travailler, c'est pas moi. Alors par rapport à ta composition, pourquoi tu prends Widow? Pourquoi je la prends là? Ouais. À part que t'aimes bien Widow, tu vois. Ouais. Bah, je trouve qu'elle est pas mal sur la première partie de la route 66. Après niveau compo, il n'y a pas trop de but de la prendre. Ouais. Enfin t'as deux shields donc t'es quand même pas mal protégé. Ok. T'as tes deux shields, t'as une Ana qui peut toujours te heal assez facilement. T'as la Brigitte qui peut te balancer son heal aussi pas mal. Et je me dis que je suis protégé avec la Brigitte aussi si jamais il y a un Genji ou un. Ok. Là, est-ce que tu es en train de supposer qu'ils vont jouer tel ou tel type de composition, ou Bah, pas? je pense à chaque fois qu'il y a toujours un. Je sais pas, dans toutes mes games en ce moment, il y a un Genji. Ouais. Genji, Rodog. Et après, ouais, non, après, à part ça, j'avais pas trop. Je supposais pas du tout qu'ils avaient ça. Genre un Doomfist ou une Ashe. J'aurais pas pensé qu'il reste là-dessus. Ok. Alors je te parlais des trois phases tout à l'heure. Ouais. Donc là, typiquement, tu as la phase de rotation. Donc là, c'est le chemin que les gens vont prendre. Une phase de spam. Là, je vois que tu es préparé à te spam. Il y a la notion de charge d'outil. Est-ce que quand toi, tu tires sur les gens, ça t'est favorable ou c'est favorable à eux pour la charge d'outil? Je te prends un exemple. T'es soldier, tu joues face à Rodog. Tu as 100% de ta charge d'outil et tu lui tires dessus. Tu le tueras Ouais, pas. non, C'est pas c'est pas rentable utile. pour toi. Par contre, lui, Ah tu ouais. le feed et c'est à lui que tu donnes la charge d'outil. Donc, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que quand toi tu tires, ça a de la value ou pas? Ça, c'est quelque chose d'une manière générale qu'il faut avoir. Et après, ce qui est important, c'est la phase de scouting. Et là, typiquement, toi, ça fait 20 secondes que tu es sur ton poteau. Et eux, ils sont spawn. Eux, ils ont la possibilité de changer tout de suite de personnage. Donc, admettons qu'ils ne jouent pas Ashe ou ils ne jouent pas Genji, mais que le mec est en train de jouer une Pharah. Là, potentiellement, tu lui dis au mec, switch ta Pharah. Parce que je suis là. Ouais. Et donc ils peuvent refaire leur plan de jeu parce que tu es là. Et vu que ça fait 20 secondes que tu es ici, ils ont eu 20 secondes pour réfléchir. Maintenant, si tu te montres au dernier moment, c'est-à-dire quand il reste 5 secondes, 3 secondes, ils n'ont pas le temps de se réadapter. Et probablement qu'ils sortent. Mais si je me mets là comme ça et que je reviens 20 secondes en arrière, regarde quand toi t'arrives. Ouais. Tac, il reste 18 secondes. Tu arrives beaucoup trop tôt. Ouais. Donc oui, on optimise le CD du grappin pour pouvoir l'avoir le plus vite possible. Par contre, on optimise également le temps où les gens en face peuvent nous scout. Donc ça, faut vraiment faire attention. D'une manière générale, peu importe ce que tu joues comme DPS. Donc là, du coup, en tant que Widow, est-ce que tu vas pouvoir t'exprimer librement face à la composition d'en face? Plutôt oui, hein. Ça va, ouais. Ouais, hein, Ouais. t'es pas trop embêté. Alors, votre composition, elle se joue comment? Il y a un Reinhardt. Il est sur le top. Quasiment pas de value, à part une Flame Strike. Donc, il va pas rester là-bas. Echo, elle va jouer en aérien. Très bien. Un deuxième shield, pourquoi pas. Là, ce qui peut être intéressant, c'est que tu communiques avec ton équipe et que tu mettes en place ce qu'on va appeler une sorte de tir croisé. C'est-à-dire que Reinhardt, il va probablement descendre à un moment sur le corner. Ouais. Ce qui peut être intéressant, c'est que toi tu joues de loin, par exemple ici, là-bas, de manière à pas être dans la range des mecs d'en face, pas être dans la range de Rodog, pas être dans la range de Doomfist. Protéger potentiellement avec le shield de Sigma, parce qu'il peut te le prêter de loin. Ouais. Et du coup, bah, tu vas empêcher le fait qu'ils agressent ton Reinhardt. Après, tu peux jouer là où je t'ai mis, mais tu peux très bien jouer là-bas, hein, d'accord?
Ah ouais. Ou tu peux même Et tu jouer. te mets pas sur le tapis ici? Si, Voilà. si, tu peux jouer là avec Ok. le shield de Sigma. Et je pense que c'est même une meilleure possibilité, la position A. Parce que Sigma, il va avoir également ses doubles sphères qui vont être dans la range de ton Reinhardt. Donc même si Reinhardt est seul au sol, il va pas se faire déborder parce que vous êtes à portée de lui. Et lui, il va jouer au sol avec Brigitte. Mais par contre, voilà, ils sont que deux au sol, hein. Donc c'est-à-dire que c'est eux qui vont subir la focalisation de tous les dégâts. Et c'est ça qui est compliqué. Les attaquants approchent. Et Arrêtez. là, du coup, Sigma, il aurait pu te mettre un shield, hein. Le salopard, là. Non, mais ça se fait jamais. Ah ouais? Et tu lui Ah demandes? non, pas, c'était loin. Est-ce que Ah ouais, tu... t'as beau te demander, tu te fais insulter derrière parce que C'est tu vrai? kills ou. Ah bah ouais. Ah merde. Donc là, pour le moment, tant qu'il y a les shields, t'es pas trop emmerdé. Là, je vais appeler ça un tunnel. C'est-à-dire, regarde. Là, tu tapes. On est à 47. Ok. Alors, on est à 39. Là, pendant à peu près 8 secondes, t'as plus fait de dégâts du tout. T'es Ouais. passé sous un tunnel. Et qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que t'es venu te replacer à un endroit qui te donne l'avantage? Bah non, hein. T'as juste fait ça, hein. Ouais. Voilà. Et donc là, t'as perdu 8 secondes de dégâts. Si tu étais passé de là à ici, tout de suite tu te remets à tirer. Ouais. Si t'étais passé de là à là-bas, je t'aurais dit oui, mais là tu te replaces et après tu reprends une ligne. Tu bloques la ligne, tu dis je viens pas. Mais là, en termes de positionnement, t'as grosso modo le même positionnement que tout à l'heure, sauf que ça fait 7 secondes ou 8 secondes que t'es plus dans le game. Et là, tu vas refaire pareil, regarde. 39, 37, 34, 32. Voilà. Donc, encore pendant 8 secondes, t'as disparu. Ouais. Je vais regarder, mais à mon avis, tu vas le faire souvent. Je vais pas juger le fait que tu aimes, que tu ça je peux pas t'aider là-dessus. Enfin, je peux pas t'aider. Ça sera moins efficace que le fait de te parler d'effet tunnel où tu disparais. Voilà. Ou de gestion de CD ou de choses comme ça. Tu sais que t'as un Doomfist qui est par là, donc tu sais que t'es embêté, quoi. Tu vois. Tu sais qu'il te cherche, tu sais qu'il joue sur toi. Là, du coup, c'est la Reinhardt qui se retourne. C'est compliqué. Donc là, du coup, ce qui serait intéressant, c'est que... Qu'est-ce que tu peux faire pour ça? Ah, Je crois que j'ai switch après. Mais en fait, il faut que Sigma il joue à côté de toi. Parce que si Sigma il joue à côté de toi, il t'aide sur le Doomfist. Et toi, malheureusement, tu peux pas faire grand-chose là-dessus. Il te cherche, quoi. Hein. Ouais. Voilà, là, ça y est. Ah, dommage. Tu vois, le fait de... Il t'a manipulé l'attention, je vais te remettre un peu en arrière. C'est un concept qui est intéressant. C'est que du coup, regarde ce que tu fais par rapport au teamfight. T'entends le Doomfist, du coup tu le cherches, tu vois, mais tu tournes le dos. Tu tournes le dos, tu cherches le Doomfist, tu sais pas où il est. Et là tu dis, ah, j'y retourne, mais regarde, t'es toujours pas protégé, quoi. Hein. Y a rien qui te protège. Et en termes d'exposition, t'es en plein milieu de la map. Hein. Et là, enfin tu commences à dire, ok, j'y vais. Mais c'est déjà trop tard. Donc là, le mec, il t'a. Ce que le mec a fait avec Doomfist, c'est quelque chose que t'aimes beaucoup faire quand tu joues Tracer, quand tu joues Sombra, quand tu joues Wrecking Ball. T'essayes de manipuler l'attention pour faire en sorte que même si tu ne fais rien, c'est-à-dire même si tu tires sur personne, tu monopolises l'attention de 2 à 3 personnes, et pendant ce temps-là, c'est tes collègues qui en font plus. Et dans un jeu d'équilibre entre les dégâts que toi t'es en train de donner et les dégâts que tu reçois par rapport à inversement ce qu'il y a sur la deuxième balance, bah, ton objectif c'est que. C'est toi qui crée un moment de déséquilibre et qui fait que c'est ça qui fait que tu vas gagner. Et là, bah, du coup, bah, vous faites faire avoir là-dessus. Donc là, qu'est-ce qui te pose problème? Parce que là, je sens que tu as envie de switcher. Du coup, qu'est-ce qui te pose problème et pourquoi tu veux switcher?
puisque j'avais aucune protection. Ouais, est-ce que tu penses que c'était une histoire de protection? Parce que t'avais quand même deux shields, hein. Et ils sont toujours là. Ouais. C'est Non, mais toi? j'étais mal placé, mais c'est le Doomfist aussi qui me... Ouais. C'est le qui Doomfist énervait, du qui te coup. pose problème, ouais. Alors Ouais. qu'est-ce que tu peux faire par rapport à l'équipe d'en face, par rapport à ce Doomfist qui est problématique et qui vient gratuitement dans votre backlane? Parce que c'est ce qu'il J'ai fait. pris un Macri, je crois. Un Macri? Ok. Donc Ouais. tu vas focaliser ton switch sur le pick d'en C'est face qui ça. est le Doomfist. Ok. Macri, pourquoi pas? Est-ce qu'il y a d'autres personnages qui peuvent être bien? Contre Doomfist. Bah contre l'équipe d'en face. Ah, t'as Reaper qui peut être mal, je pense. Ouais, bah Reaper, ça va casser Ouais. des bouches hein. Là-dessus, les trois là, ils vont pas jouer. Hein. Ouais. Voilà. Ah, Reaper, c'est très fort. Même Reaper, on n'y pense pas souvent, mais Reaper, c'est très fort contre Doomfist. Parce que Doomfist, il a une très très grosse hitbox. Et Reaper, tu peux esquiver facilement le combo de Doomfist. Moi, j'aurais pensé également potentiellement à une Sombra. Ah ouais. Sombra aurait été intéressante pour hacker le Rodog quand il a essayé de se soigner. Hacker le Doomfist sur toutes les phases d'agression. Et donc, du coup, il est obligé de jouer très lentement. Il peut plus agresser comme il veut. Et hacker également le Bob. Et avec un EMP, permettre de faire un shatter. Ouais. Sombra, je trouve vraiment. En fait, moi, dès que j'ai un Doomfist en face, dès que j'ai un Rodog, dès qu'il commence à avoir des doubles shields, j'aime bien prendre Sombra et jouer dans la backlane. C'est vrai que je pense jamais à ça. Ouais, Sombra, c'est. Je pense que c'est un des personnages les plus sous-cotés actuellement. Parce qu'elle a un... C'est pas mal là maintenant son Bah mémoire oui. qui est étoffée. Bah oui. Elle a le transducteur infini, l'invisibilité Suivez vos regards. infinie. Elle a le spray de son arme qui a été réduit. L'EMP, ça reste toujours très fort. Ah, c'est toi qui vise hein, le coquin. Et alors là, le problème, c'est que du coup, en termes de heal, tu vas pas recevoir avant au moins quelques secondes, je pense. Hein. Ouais. T'auras pas reçu un soin en à peu près 10 secondes. Ouais, mais tu te fais vraiment pas souvent heal à Ouais, elle était peut-être morte là, Stello non? avec une... Bah en fait, Non, et Widow, tu toi? joues derrière. Widow, tu joues derrière et tu joues même derrière ta Ana. Et du Ouais. coup, les Ana, peut-être qu'elles n'ont pas l'habitude de se retourner. Est-ce que tu Ouais. spam Annie Dealing Ah ouais, je le mets tout le comme temps, un je me bon fais même Genji là? tweeter des fois. Ouais. Ouais. Et je le mets même dans le chat, enfin je demande en voice et tout ça. Bah ouais, il se retourne jamais. Ouais, Doomfist il va te poser problème. Hein. Le problème c'est que Doomfist, à moins que tu le mettes un vrai headshot et que tu l'hard aim, regarde, il est tranquille. Hein. Il vient te chercher, hein. T'as zéro peeling. Bon, là faut vraiment soutien, hein. Là faut pas attendre. Hein. Ouais. Machin que j'en ai marre à ce moment-là. Ouais, voilà, bah ça c'est bien. Justice ne va pas se rendre toute seule. Après, en fait, le problème des joueurs de Widow, c'est souvent, hein, c'est qu'ils n'ont pas de présence sur objectif. Donc, quand bien même tu fais 3 kills, je prends un exemple, hein, Ouais. tu fais 3 kills, ton Reinhardt est mort. Personne Fais n'a la rien. capacité d'aller sur le point. Hein. C'est pas Ekko, ni. C'est pas Ekko qui va aller sur le point. C'est pas Lana qui va aller sur le point. Sigma, il va avoir du mal parce que c'est un personnage mid-range. Il n'est pas short-range ni long-range, il est mid-range. Et donc, du coup, il va avoir du mal à aller sur le point. Et toi, avec Widow, tu joues très loin. Donc, si le Rodog en face, il décide de l'agresser ou le Doomfist, bah, tu pourras rien faire. Et ton payload, jamais tu vas aller le contester. Et donc, ils vont continuer d'avancer malgré le fait que tu aies l'avantage en termes de nombre de picks. Là, avec Ouais. Macri, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir jouer proche de ton Reinhardt et être à portée de stun. Là, du coup, tu vois ce que tu fais ici. T'as aucun danger. Regarde, je vais te montrer un truc. Là, il n'y a personne. Qui peut te tuer? Le Hog, ok. Le Hog, il a plus son grappin. Ouais. Là, tu risques plus rien. Ouais. Ah, je crois que j'ai pris une mauvaise habitude sur les autres jeux à Toujours bouger. toujours rester de straffer. Et ouais, alors que là, vu que tu risques rien, t'as juste à prendre une chaise de camping, tu te poses, t'aimes et c'est fini quoi. Là, tu te rends le jeu difficile. Ouais. Ouais.
Mais après le problème, je te prends un exemple comme Apex ou autre, t'es jamais à l'abri que t'as un sniper, un campeur, un machin, et donc t'es toujours en train de te déplacer. Parfois le déplacement te permet de mieux aim, hein, c'est-à-dire que plutôt que de tourner la souris, des fois si la personne elle se déplace comme ça, du coup plutôt que de changer de viseur, toi tu te déplaces de la même manière, tu fais une Ouais. translation les deux en même temps, et du coup tu continues à viser. Ça tu le fais beaucoup avec des personnages comme Tracer, par exemple, Ouais. ce système d'aim. Mais là il n'y a pas vraiment besoin. Ah, c'est fou, hein. En fait, qu'appuyer sur S. Tu vois, reculer, 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 reculer. Aucune présence. Et ça, parce qu'il n'y a rien qui agresse. Demain, tu joues Reaper ou tu joues Mei. Les mecs, ils avancent, tu wall et ça donne envie à ton équipe d'avancer. Ouais. Tu vois? Et c'est ça que je disais avec Widow. C'est que ce S là, le SSS là que tu fais en permanence où tu fais que reculer, bah, quand tu joues avec une Widow dans ton équipe, tu fais que ça. T'as aucun moment d'agression. Ouais. T'es que dans la réception. Et là, si, tu vois, Sigma, il a pas de présence sur objectif pour avancer. Il y a que votre Reinhardt. Ouais, vu qu'il était mort. Et vu qu'il est mort, bah c'est SSS. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait, Brigitte? Elle a essayé d'y aller, parce qu'elle en a marre de reculer. Mais vu qu'elle, toute seule, elle peut pas le faire, bah elle s'est fait laver, quoi. Là, elle est mal en point, elle va crever. Il a l'air dégourdi le petit Doomfist en face. Ah, il vous emmerde, hein. Ah, là, faut son bras. Hein. Voilà, un mec qui passe son temps dans la backlane comme ça. Voilà. Ouais. Et là, il y a un tunnel. Oui. Ah, j'ai Ouais, vu. mais là j'attendais du soin. Je sais. Mais le problème, c'est que quand toi, tu te mets comme ça et que tu demandes du soin, elle va venir, elle va te soigner. Mais du coup, pendant ces 2 secondes, la front lane, elle reçoit plus de soins. Ouais. C'est ça qui est chiant. Et donc pendant, tu sais, ça me fait penser un peu à une Mercy qui vient et qui te raise. Elle est Ouais. contente, elle est en train de te raise. Mais pendant ce temps-là, ce mec il meurt. tu vois l'idée? Ah bah ça c'est exactement pareil. Donc là, du coup, malheureusement, tu dois prendre ton mal en patience, quoi. Mais du coup, t'es dans un tunnel, tu sers plus à rien. Alors que là, elle te met un petit nano. Elle te met un petit nano. Tranquillement, Ouais. toi tu as Inoun et les mecs ils se barrent. Ouais. C'est aussi une façon. Voilà. Parfait. Parfait. Sans le nano en plus. Là typiquement c'est une super utilisation du Inoun, hein, pour justement temporiser des phases d'agression. Puis oh les gars, oh, mollo, mollo, hein, ça suffit, hein, respectez-nous. Tu vois, le Ainoun, moi je le vois vraiment comme ça. C'est pas un. T'es pas là pour tuer 5 mecs d'un coup, quoi. C'est surtout un sort qui permet de zoner. Ouais. Ah, tu voulais tuer la brute ou quoi? Bah, je suis pas très fort quand même, c'est pas écrit. Ah ouais? Bah, je peux pas Pourtant, si beaucoup. tu joues beaucoup, si t'aimes beaucoup, c'est un personnage où tu peux avoir vraiment beaucoup de valeur, hein. Ouais, non, il est vraiment cool, hein, mais. Le high ground, ouais, faudrait que tu prennes le high ground, c'est très bien. Faut le contrôler, ce qui est. Là, je me skip quand même. Ouais, les flashs elles sont pas. Tu vois, typiquement, je sais pas si t'as l'habitude de faire ça, mais je vais te remettre ça. Sur les phases de jeu qui sont ici, souvent, quand le fight a commencé, là c'est le cas, hein, là t'es en plein fight, on va parler de gestion des CD. Et généralement, qu'est-ce qu'on fait? Ben on va dire à Nano Nade, à Nano Sleep, Ouais. Tracer No Recall. Mais on va aussi dire Genji No Flash. Ouais. Et tant que t'as ta flash, Ouais, c'est une pression. ce mec-là, il n'agresse pas. En temps normal, d'accord? Je dis en temps normal, lui, il est en roue libre. Bah, tu le sanctionnes 2-3 fois, après tu le remets dans le droit chemin, d'accord? Tu le flashes 2-3 fois comme il faut, il va arrêter. Mais en temps normal, le fait que tu gardes ta flash fait que tu n'as pas l'agression du Doomfist. Et le simple fait que tu lâches ta flash, il se dit, ok, super, pendant 8 secondes, je suis gratuit. Pendant 8 secondes, je fais exactement ce que je veux. Je viens, je lance mes deux combos, je me barre. Et parfois,
Je sais pas si tu avais joué à l'époque de la Goat ou pas, mais tant que la Brigitte elle avait son shield, elle avait le shield bash, bah tu pouvais rien faire. Ouais. Et tu n'avançais même pas. Parce que le bash il passait à travers le shield. Et bah là c'est Ah, je m'en pareil. souviens, ouais. Donc tant que tu as ta flash, tu as une arme de dissuasion massive. Tu sais que c'est un. Sans l'utiliser, elle a de la valeur. Quand tu l'utilises, elle a plus de valeur. Donc ça, c'est super important dans la gestion des CD d'avoir cette notion-là, de se dire, tant que j'ai ça, je ne le fais pas. Ça fait penser un peu comme le match-up que tu vas avoir entre D.Va et Zarya. D.Va, elle ne va pas balancer son ulti tant que la Zarya a ses bubbles. Et inversement, Zarya ne va pas graviton tant qu'elle est sûre que la D.Va a de la matrice. Et ils vont essayer d'attendre ces moments-là. Et donc plus t'attends, et moins la personne prendra l'opportunité. Parce que des opportunités, je sais pas, elle va avoir 10 opportunités en 20 secondes. Mais elle ne prendra pas les 7 premières opportunités parce que tu n'auras rien fait et parce que tu as toujours ta capacité. Et donc du coup, bah, c'est d'autant plus de moments clés de victoire quand tu leur enlèves. C'est en faire plus en faisant moins. Alors c'est un peu dur comme concept, c'est un peu contre-intuitif, hein. Comme concept, mais une fois que tu as compris ça, tu te dis bah je conserve. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai l'habitude de coacher des gens, je les appelle les chèques de paye. C'est-à-dire que dès qu'ils ont leur capacité, clac clac clac, ils lancent. Genre, t'as une halte, bam, je la lance. J'ai mon grappin, je lance. Ouais, mais tu vois, quand t'as ta halte et que tu joues sur Ilios, map du puits, et que tu l'utilises pas, le mec il vient pas hein, autour du puits, parce qu'il a peur de ta halte. Et donc du coup tu crées de l'espace par le fait de ne pas utiliser ta capacité. Ben voilà. Une fois que t'as compris ça, tu verras, tu feras plein d'analogies partout. Ouais. Là c'est bien, là t'as pas trop bougé. Ouais, tu meurs de vieillesse, ça m'énerve. Tu reçois pas de soins quoi. Mais Anna elle est pas là. Hein. Elle est morte. Sale game pour un DPS. Hein. Ouais. Cessez toute résistance. Encore 60 secondes. Ouais, je trouve que les tanks ont vraiment un plus gros impact qu'avant aussi Oui. sur le. Ouais, bah clairement. Clairement, c'est pour moi, t'as peut-être. En fait, tu veux mon avis. En healer, si t'es cramé, hein, enfin, c'est-à-dire si tu heal mal, tu fais perdre ta team. Mais Ouais, il clairement. y a un skill cap où tu commences comme ça. Là, c'est ton impact sur la game en fonction de ton skill, d'accord? Là, c'est le skill, plus t'as de skill. Et là, c'est ton impact. Ici, c'est l'impact. Je te fais le healer. Pour moi, le healer, l'impact que t'as sur la game, si t'as pas de skill, si t'es vraiment nul, t'as un impact qui est très fort. Ensuite, ton skill il va progresser. Et donc, du coup, bah, tu vas avoir un impact qui est de plus en plus faible. Passé un certain moment, ton impact il est quasiment nul. Passé un certain niveau, tout le monde est tellement fort, si tu veux, en termes de heal, que tu heals de la même manière. Et c'est pas toi qui initie les fights. C'est pas toi qui va clutch en Bah, fonction de ton personnage. Et donc, ton gap d'impact il est de plus en plus faible. Alors que le tank, au final, son impact il est de plus en plus haut. C'est-à-dire qu'au départ, bah, un tank il est nul, mais bon, tu sais, vu que tu le sursoignes, etc., etc., il arrive à faire des choses. Donc il a toujours un impact qui est correct, mais passé un certain moment, plus il va être intelligent ton tank et plus il va avoir d'impact dans la game jusqu'à un certain stade où ça va bloquer. Voilà. C'est vraiment un truc complètement inverse. Et DPS, c'est vraiment compliqué. c'est trop dépendant. DPS, t'aurais envie de faire une courbe verte comme ça. Mais c'est pas vrai. Parce que ça dépend de l'impact des autres. Et donc du coup, bah si tes tanks ils sont nuls, eh bah du coup tu peux pas t'exprimer malgré le fait que tu sois très fort. Si t'as jamais de soins, t'as beau être le meilleur, va faire une blade avec 10 HP, tu vas pas tuer 6 personnes. Et donc en fait toi en DPS, tu dépends de ces deux courbes, quoi. T'es là et t'es un peu bon bah si j'ai des bons tanks et des bons soigneurs, à ce moment-là je peux m'exprimer, je peux être fort. Si j'ai pas de tank et si t'es pris en otage quoi. Ouais. Donc la seule courbe pour moi qui te permet de monter facilement, c'est la courbe de tank. Après, c'est mon point de vue. Non, mais moi je trouve aussi que c'est. Alors après, c'est vrai qu'en tant que DPS, hop, pardon, en tant que DPS, tu fais beaucoup plus d'analyse micro. C'est-à-dire la façon dont tu vas utiliser tes CD, le personnage que tu veux faire. Alors que quand tu joues tank,
Quand je vais faire du coaching, je vais faire beaucoup plus de vue aérienne, de à quel moment est-ce qu'on réagresse le payload, à quel endroit tu vas aller te situer, à quel endroit tu veux te positionner, etc. Alors que DPS, c'est beaucoup plus micro, c'est beaucoup plus de la gestion de tes CD. Ouais. Ok, donc là tu peux pas les contester. Et donc là, du coup, tu vois, on est sur des grandes lignes. Ouais. On est sur des très grandes lignes. Donc souvent, tu sais, je dis souvent, t'as la rush, la poke, la dive. Dive dans un couloir, t'oublies. Donc là, t'as pas envie d'aller dive. Tout ce qui est compo dive, t'oublies. Rush, tu pourrais. À partir du moment où tu peux réduire les lignes, la longueur des lignes. Là en face, il joue Orisa. Rodog, ça joue plutôt sur un peu de la poke avec la hache. Il y a juste le Doomfist qui fait, qui joue pas poke en face. Mais Ouais. du coup, ils ont une composition qui est poke. Toi, tu joues une composition avec un Reinhardt et un Sigma, qui eux veulent jouer rush parce que, enfin, ils ont envie de jouer close range. Je vais le dire plutôt différemment. Sauf que tu n'as pas de Lucio. Et donc du coup, tu te retrouves avec de très grandes lignes. Et donc ils vont avoir du mal à avoir de la valeur. Et donc et en plus ils ont un autre mode de fonctionnement qui est un peu différent. C'est pour que tu comprennes ça. Ils ont un mode de fonctionnement qui est différent, c'est que le shield de Sigma et de Reinhardt, ils fonctionnent de la même façon. Ils prennent des dégâts, ils rangent le shield il se régénère. Donc ils ont quelque chose qui fonctionne par phase. Phase de régène, phase de déploiement. Orisa c'est différent. Orisa c'est un shield qui est cyclique. Elle prend un shield, elle a 900 de shield pendant X secondes. Qu'il soit à 0 ou qu'il soit pas à 0, dans 9 secondes elle aura encore 900 de shield. D'accord? C'est vraiment très cyclique. Et donc, et elle va jouer de la elle va jouer du spam. Donc elle est là pour aller casser les deux autres shields. Une fois que les deux shields sont cassés, bah c'est échec et mat pour vous. Parce qu'il y a Alt, Dynamite, le Bob, le Hook, la Alt, coup de poing de Doomfist, etc. Donc pour vous, c'est échec et mat si vous avez plus de shield. Et une fois que tu as compris ça, tu te dis, bon, moi, comment est-ce que je peux permettre à mon équipe d'arriver au corps à corps? Tu vois, tu as la logique de je prends ma creep pour contrer Doomfist. C'est une logique de je prends des duels. Et tu as la logique de comment est-ce que je peux faire en sorte de rééquilibrer mon équipe qui l'a de base. Pour qui ça va mal se passer. Parce que c'est une longue ligne, avantage à la poke, et là du coup si ton équipe elle veut rester sur de la brawl, elle veut rester sur du combat au corps à corps, bah toi avec Magri, c'est pas forcément le personnage qui va le plus les aider. Ouais, je compte Alors. si je suis pas parti sur un Reaper après. Alors, tu peux partir sur Reaper, mais il y a encore mieux. Ouais. À ton avis. En corps à corps? À qui je peux penser, et je vais t'expliquer les raisons. Bah, tu pensais à Sombra avant, mais je pense Ouais, pas qu'il mais là plus va trop Sombra. dans la bataille. Non, là Pas c'est plus Genji? Sombra. Non plus Genji. Moi je regarde les combos. Ah ouais. Je vois beaucoup de combos avec une Alt. Ouais. D'accord? Donc je vois la Alt et le Hook. Mei, elle bloque le Alt Hook. Mei, elle va bloquer le Alt Doomfist. Elle va utiliser encore une fois son ulti pour bloquer un Bob. Par exemple, pour empêcher Bob d'arriver jusqu'à vous. Et pour tanker les dégâts. Mei, elle a aussi un autre avantage, c'est que si eux ils sont tout au fond, que toi tu mets un wall de Mei comme ça, à cet endroit-là, tu prends plus de poke. Et ça te laisse toute la route pour avancer sans que ta team n'ait perdu de ressources de shield. Et une fois que ton équipe elle va arriver au corps à corps, ben vous avez forcément gagné. Parce que Reinhardt Sigma au corps à corps, c'est plus fort que Orisa, que Ashe, etc. Surtout si toi tu passes ton temps après à faire du clic droit et à les freeze. Il n'y a qu'un seul shield. Donc là pour moi la meilleure solution par rapport à ta composition là, ça serait de dire ok Macri on laisse tomber, on arrête de vouloir prendre le duel sur ce mec là, on arrête de jouer pour soi et on joue pour l'équipe et on se met au service de la composition par rapport à la map. Et là la map elle te dit que eux jouent poke et que la meilleure manière de battre la poke c'est de les forcer à être au corps à corps. Et pour les forcer au corps à corps, tu vas utiliser tes ressources, à savoir un wall, pour te permettre d'arriver au corps à corps. Et après, ton wall, tu t'en fous parce que t'as pas envie de les speed, t'as envie de tous les freeze. Et tu vas te servir du bouclier de Sigma pour tanker, entre guillemets, pendant que vous êtes en train de brawl. Sigma, il met son bouclier et après, vous faites ce que vous voulez à l'intérieur, vous jouez avec. Là, ça aurait été un switch un petit peu intéressant. Et là où c'est dur avec en tant que rôle de DPS, c'est que souvent, tu vas avoir ce réflexe de dire, moi, je contrôle ce mec-là et tu fais des match-up en fait.
tu te concentres uniquement sur, ok, en face il y a une bolle, lui c'est bulldozer, ok, bon allez hop, moi je prends son bras, je vais contrer bulldozer. Tu vois, on se contente de faire ça. Alors que si tu prends une vision avec un peu plus de hauteur, tu te dis, tu comptes la composition. Là, c'est de la poke. Le meilleur moyen de bloquer la poke, ce qu'ils n'aiment pas, c'est le short range, donc j'y vais. Je te fais un petit topo sur les compositions, même si je pense que tu les connais, donc je vais aller très vite. Sur les compositions, tu as plusieurs styles de jeu. Donc la spam, elle aime les grandes lignes. Elle aime quand les fights sont longs, parce que plus le fight est long et plus ils ont consommé de ressources avant que l'équipe adverse n'arrive au corps à corps. D'accord? Ils aiment être sur des objectifs, jouer sur des corners pour pouvoir se protéger quand les shields cassent, etc. Ils aiment beaucoup spammer. Par contre, ce qu'ils aiment pas, c'est être au corps à corps. Et souvent, c'est des compositions qui n'ont pas de mobilité. Donc, si tu veux les battre, il faut que tu les forces à jouer là-dedans. Il faut que tu les forces à jouer sur le fait qu'ils ne contrôlent pas la verticalité, qu'ils jouent sur le même plan que toi, au corps à corps, et qu'ils ne puissent pas s'enfuir. Mais c'est parfait. Ensuite, tu as la même chose ici sur la rush. Toi, tu joues une composition rush. Tu n'aimes pas la longue portée. Tu n'aimes pas quand tu te fais spammer, parce que toi, tu peux pas taper. Et tu n'aimes pas quand eux, ils gèrent la verticalité et que tu ne puisses rien faire. Donc là, ça tombe bien, la verticalité, il n'y en a pas. Bah, donc du coup, pour les battre, il faut que tu joues sur tes points forts. Il faut que tu aies une faible portée. Voilà. Il faut que tu aies de la présence sur objectif. Il faut que tu aies une agression rapide. Et donc là, tu vas mettre ton wall de main, tu speed. Et après, il y a la dive, la dernière composition, qui, elle, n'aime pas les longues portées. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas à portée de dive. Ils sont trop loin. Ils vont cramer toutes les ressources pour atteindre les targets. Donc ça, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas se faire spam. Une dive, ça n'aime pas prendre 15 minutes de dégâts. Ils n'aiment pas les fights longs, du coup, par extension. Et ils n'aiment pas les cibles qui peuvent s'échapper quand tu leur sautes dessus. Donc, du coup, si tu veux que ta dive elle fonctionne bien, il faut que tu joues sur des cibles qui sont isolées, des cibles qui n'ont plus de mobilité, et tu vas faire des fights rapides. Et tu vas essayer de gérer la verticalité pour tomber sur ta target sans utiliser de CD. C'est comme ça. Une fois que tu as compris ça, bah du coup, quand toi tu Ça va regardes tes mieux. compositions, plutôt que de t'adapter pour dire je contre un tel ou un tel, essaye de, en plus de contrer la personne qui t'embête vraiment, de contrer l'équipe. Ok. Et là, ça se passera vraiment beaucoup mieux. Ouais. Ça, je pense que... Après, bah, il s'est fait un perso que j'avais pas vu. Bah, tu sais, c'est pas Ok, il des. est pas mal quand même. Ouais, c'est pas le plus difficile. Là, mais c'est pas des personnages qui sont sexy, c'est pas des personnages champagne. Tu vois, Mei, c'est un. C'est un peu comme une Symmetra, quoi. Quand tu vois un mec qui dit, ouais, moi je joue Mei, Symmetra, tu dis, putain, c'est pas le jeu. Je suis pas venu sur Overwatch pour jouer Mei ou Symmetra, tu vois. T'es venu pour jouer du Tracer, de la Genji, claquer des blades, faire des transformations avec Ekko, claquer des gros barrages. T'as envie de faire du Overwatch Champagne. Ouais. Mais c'est un jeu d'équipe. Et Ouais. si ton équipe elle te force à jouer un style de jeu, et que toi, malheureusement, à ton échelle, quand tu ne connais pas les gens, tu joues pas en scrim, t'es pas en train de jouer en team, tu peux que t'adapter à ton échelle, qu'est-ce que toi tu peux faire comme switch. Et là, le seul switch que tu peux faire, bah, c'est bloquer les combos d'en face. Ouais. Et il faut pas faire comme le cours que j'ai eu juste avant, quelqu'un qui veut. Il voulait tout faire tout seul. C'est-à-dire que peu importe le personnage qui joue, le rôle qu'il joue, si un bastion, il dit bon, bah, il faut que je contre le bastion. Alors que c'était pas forcément à lui d'aller le contrer. Tu vois? Ouais. Donc là, toi, tu comptes le Doomfist, très bien. Mais ça aurait pu être le rôle de ton Sigma à contrer le Doomfist. Et toi, à ce moment-là, tu aurais dû peut-être t'occuper de la hache et de prendre ton duel sur la hache avec la Widow. Tu vois? Et donc, du coup, parce que le rôle principal de contre du Doomfist n'a pas été fait par la première personne, du coup, il y a plusieurs personnes qui essayent de faire la même chose. Du coup, ça crée de l'espace pour l'autre personne que toi, tu devais contrer. Ouais. Et ça, c'est super dur. Ah, ça, Ouais, c'est un peu chiant. c'est un peu greedy, un peu nuki. Mais c'est pas grave, tu vas switcher sur mail là. Non? Non, je sais pas. Ah, dommage. Ouais. Non, je... Pas sur Reaper? Reaper. Ben, Reaper, c'est très bien. Parce que tu vas créer de la présence sur objectif. Et du coup, bah, le payload, tu vas pouvoir jouer avec le payload pour te protéger. T'as de la chance, hein. Parce que t'avais claqué un CD pour sortir du spawn. Mais il est free, lui, c'est un peu ouf.
Ah là, je pense que Rodog il va passer une sale game maintenant. Là sur le papier, quand tu commences à regarder, qu'est-ce qu'ils ont comme combo? On a parlé de Alt-Hook. Ouais. Alt-Hook, ici, tu as Sigma. Sigma, sur chaque Alt-Hook, il doit mettre son shield. Donc du coup, il n'y a aucun combo qui doit passer. Donc du coup, Ouais. bah ils ont échec et mat. Hein. Enfin, eux, ils peuvent pas jouer. Ça sert à rien de jouer Rodog avec Orisa. Ça sert à rien. Et toi, du coup, tu dis, tiens, je viens et je vais rencontrer 3. Ouais. Bon, ben là, GG, t'en contre 3. Donc là, oui, tu peux jouer micro, t'es pas obligé de jouer le jeu d'équipe. Si tu contres 3 mecs de l'équipe d'en face de manière hard, bah c'est ok, c'est GG. Ouais. Et c'est pour ça que tu retrouves beaucoup de compositions à base de May Reaper. Ah, parce Pourquoi? que ça. Ça contre doublement. Et pourtant, jouer May Reaper, c'est pas ce qu'il y a de plus fun. Mais c'est juste que les personnages sont trop forts. Déjà, ils ont 250 HP. Il te tuera pas du coup? Ah, mais là, t'aurais dû le finir. Ouais, mais il y avait la merci en haut, du coup j'ai eu peur, je crois. Ouais, c'est eux Je qui doivent pense que avoir j'ai peur. Hein. paniqué. Ah, Ouais. je pense que là, tu vois, moi je fais pas une forme fantôme et je me soigne sur le cochon. Ouais. C'est dommage, t'avais pas ta forme fantôme du coup et t'y retournais. Là, c'est un problème de gestion de CD, tu vois. Tu sais, t'as pas attendu. T'attendais 3-4 secondes de plus si c'était ok. Ouais. C'est pour ça que tu meurs un peu trop. C'est que des fois, tu retournes trop vite. Ouais, je précipite beaucoup. Ouais. Bah, c'est le plus dur dans le jeu, c'est de d'avoir suffisamment de maturité pour dire là, c'est un moment où je dois jouer doucement. C'est-à-dire que t'es en pleine. T'es en. En pleine compréhension de ce qui t'entoure. Quand tu sais le tempo, est-ce que je dois agresser et jouer lentement, c'est que t'as compris à chaque fois quelle était ta win condition, etc. Ouais. Donc ça viendra avec le temps, quoi. Ça, c'est très bien joué. Ah, puis là, je vais refaire. Et là, tu retournes et t'as pas d'escape, tu vois. Ouais. Ça, je veux dire, ça va bien se passer. Ah, ouais, non, mais c'est vrai que. Là, j'aurais dû. Et tu vois, t'as le temps, hein. T'as 7 secondes de la fin, t'avais le temps, quoi. Ouais. Un peu trop de précipitation. Alors là, ce que j'aime bien par rapport à tout à l'heure, c'est que tout à l'heure, tu sortais toujours avec ta forme fantôme, qui faisait que quand tu sortais, t'avais plus de CD. Et Ouais. là, typiquement, le double fist, il aurait pu te tuer. Et Ouais. là, c'est la seule fois, là, des 3 fois où tu reviens, où tu le fais pas. Et du coup, le double fist, il t'agresse pas. Ouais, moi j'aime bien le fait. Bien, vas-y. Ah, tu pouvais pas faire Ah, j'aurais grand-chose, dû lui malheureusement. sur le. Bon, après, tu pouvais prendre des targets plus grosses histoire d'être sûr de te soigner. Mais pas évident. Pense que là. Après, je la claque souvent pour essayer de sortir. Oui, c'est Là, un j'aurais truc. pas dû. Bah, disons qu'à partir de. Franchement, c'est difficile à dire. Là, tu dois jouer ici. Voilà. Tu vois là? Maintenant, t'as le Ouais. Bongo qui est là. Donc là, ton objectif c'est juste de leur faire perdre du temps. Donc tu vas jouer dans cette zone-là. Et c'est à eux de venir vers toi. Et s'ils viennent, c'est eux qui prennent les dégâts. Ok. Tu vois, il y a le Bongo, donc t'as pas envie de prendre de dégâts. Alors. Ah, il y a un autre personnage, c'est intéressant. Tout à l'heure, tu jouais Widow et là pourquoi t'as pas pris Widow? À cause du Doomfist encore? Ouais, à cause de leur combo. Et eux ils ont changé. Et il restait qu'une minute, du coup, je me suis dit qu'ils allaient partir sur de la dive. Donc il y aurait potentiellement un hitstun aussi. Ah d'accord. C'est pour ça que là il l'a sorti. Bah bien vu. Alors tu vois, si tu sais qu'ils vont partir sur de la dive. Là, t'aurais très bien pu jouer avec un Torbjörn. Tu vois, un peu comme je t'ai montré tout à l'heure avec ton Genji. Ouais. Bah, quand tu joues Torbjörn, lui, il va pas t'agresser. Il va pas se permettre d'être free dans la backlane comme ça. Et lui, il pourra pas tuer facilement la tourelle. Parce qu'il a besoin d'être close range.
Et donc du coup avec un Torbjörn, bah tu le bloquais un petit peu. Et au corps à corps, Torbjörn, tu mettais de l'armure, c'était bien. Pareil, le Monkey, il aurait du mal à jump à chaque fois. Ouais. Après, si tu sens vraiment que ça va jouer dive, ouais, Torp, c'est bien. Hein. Torp, c'était ok. Après, tu peux très bien rester. Comment il s'appelle? Ah putain, il m'échappe son nom. Reaper ou May, parce que Ah ouais. t'as de l'escape. Ouais. Elle est belle ta dynamite. Ah, tu vas pas te faire soigner, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Oh, mais c'est sérieux ça? Ouais, j'étais content quand même. T'es pas mort, mais c'est ouf. Là, le positionnement, je l'aime bien. Tu vois, tu joues bien derrière. Tu pourrais être encore mieux positionné avec un peu plus de hauteur et tout, mais tu joues Ouais. bien safe quoi. Tu joues bien safe, donc on va dire que c'est ok. Bah du coup c'est elle a l'air GG cette game là, dis donc. Ok Genji. Ouf, ouais. Tu as passé une sale game là. Et j'espère que tu vas switcher très vite. Je crois même pas. Tu crois que tu vas pas switcher là? Non, je crois pas. Je crois que je voulais rester dans le coin et jouer avec le Lucio. D'accord. Parce que c'est vrai que... Bon là après c'est vrai que l'avantage c'est que le période est très court. Et que tu peux te dire, ok, on farm une blade et c'est ok. Ouais, C'est c'est ça. aussi une possibilité. Mais c'est vrai que quand je vois Moira, Rodog, Orisa, Classique, ouais. Brigitte. Ouais, le clic droit. Hein. Ah ouais, faut le clic droit. Hein. Au corps à Ouais. corps, tu feras beaucoup plus de dégâts. Hein. En fait, tu peux caractériser le truc comme ça en disant. Clic droit short range, clic gauche long range. Ou Ouais. précision rapidité quoi. Là tu meurs de vieillesse, c'est un truc de fou. Bon, la charge de blade elle m'a l'air correcte. Un peu de précipitation là-dessus. Parce que j'avais pas vu. Toi, tu repasses dans un tunnel pendant quelques secondes. Ouais. Et après, en fait, là, t'as des combos que tu dois faire hein, pour assassiner en fait. Genji, il a la capacité à one shot les gens aujourd'hui avec le Ouais. build qu'il a reçu. Là, Ok. tu dois lui balancer tes shurikens. En même temps que tu balances les shurikens, tu fais un dash. Et après, tu laisses appuyer sur les shurikens et tu fais un melee. Et là normalement il va se prendre 6 shurikens, le dash plus le melee et les 200 ils y sont. Et là tu one Mais shot tu les mets targets. en clic droit, non? Parce que c'est le clic droit qui va être la mêlée. Oui. Tu peux... Ouais, Moi je fais clic droit ouais. Bah à cette portée là de toute façon j'ai envie de clic droit ok. moi. Là à cette portée là. Ouais. Là c'est dommage, tu sais, t'es un Genji piéton quoi, tu sais, genre t'es beaucoup à terre, t'as pas de phase de one shot ou Ouais. d'assassinat, t'es beaucoup dans le poke, regarde, tu vois, tu joues comme un soldier, je sais pas comment dire, ou une tresseur quoi. Tu mériterais à être un petit peu plus agressif. Alors là c'est elle qui te force à blade? Ou est-ce que c'est un combo qui est demandé? Non, c'est elle qui me force à blade. Ah c'est dommage. Après, ouais. Parce que là même Facile pour aller faire reculer, mais bon. Ouais même parce que là ça fait deux fois que je remarque le truc. C'est que elle te nano. Et là après tu cours et tu dash. Alors que en fait même si elle te nano, ce qui est intéressant c'est que tu dash en l'air. Pourquoi? Parce que le fait de dash en l'air, ça te permet
d'avoir la visibilité sur ta constellation, tu vois. Ouais. C'est là que tu te dis, ok, squishy, squishy, squishy. Ok, bon, ben elle a pas d'escape. Donc là, tu vas faire 1, dash, coup de blade, donc elle est forcément morte. Dash, coup de blade, donc il est forcément mort. Dash par-dessus, et après tu mets deux coups de blade. Et il Ouais. meurt. C'est comme ça que tu dois le voir. Le mieux, c'est si tu peux. Moi, ce que je préfère, c'est blade, dash. Et pendant que tu as fait le dash, en fait, elle meurt sur le dash. Lui a déjà pris le dash, que du coup tu le reblade. Et après tu peux redash. Tu vois, tu vas maximiser ton temps de déplacement et de blade, quoi. Ouais, ok. Mais ça, c'est quand tu arrives en l'air. L'avantage, c'est que bah, après, tu as juste à retomber, tu n'es pas obligé de redash. Et comme ça, tu gardes ton dash au cas où il se passe un problème, pour te remettre à portée. Je vais essayer de. Ça, voilà, j'ai pas reçu un mail vite fait, mais je vais essayer de voir si on peut pas te trouver le mode forge pour les blades. Ouais, je pense que c'est pas mal parce que c'est vraiment. Parce que moi, j'en avais un, fut un temps, mais je sais plus si je l'ai. Paramètres, paramètres prédéfinis. Kenji, Nano Blade Training. Et après, j'en ai un autre qui s'appelle Nano Blade Trainer. C'est un des deux. F, tu vas avoir le power up. Et E, pour avoir ça. Ok. Bon, il y a celui-là. Là, je viens d'appuyer sur F. Ah, où sont mes alliés là? Y a pas un truc à faire là? Contrôle de la farge, ok. Afficher le salon. On va juste aller regarder les paramètres. Bah, où sont les héros là? Ah, parce que normalement ils sont plantés Bah normalement t'as des héros qui en a un qui est planté là. Ok. J'attends, j'appuie un peu sur toutes les touches. Peut-être qu'il faut le lancer, je sais plus comment ça marche. J'ai besoin de soins. J'appuie sur toutes les touches, hein. Ah oui, excuse-moi. Peut-être qu'il faut que je les mette aussi. Ah oui. Héros. Ajouter des IA. Bon, ils ont modifié le mode, il était pas comme ça avant. Mais du coup, les targets étaient complètement à leur emplacement. Là, j'ai l'impression qu'elles y vont. Ouais. Et après, du coup, t'avais juste à balancer ta blade. Alors, ce que je te disais, c'est que si tu fais une blade et que tu Ouais. dash, tu vois, la target elle meurt. Et du coup, Ouais. c'est plus rapide. Ok. Sinon, tu peux mettre un coup de dash, après, tu mets un coup d'épée. Et c'est un peu plus emmerdant. Ouais. Si jamais tu te fais Voilà. Tu te fais bouffe. Alors que là, c'est elle qui meurt et c'est le dash qui te permet de t'enfuir. Ok. Là, tu tapes L et après, quand tu te barres, et je sais pas ce qui se passe. Je suis mon baume. T'avais ce mode là qui était pas mal, mais je comprends pas. Ouais. Il y en avait un autre. Attends, afficher le salon. Normalement, tu sais, après, ils ont fait des mises à jour, donc ça se trouve, après, ils les ont fait se déplacer. Parce qu'avant, les personnages étaient bloqués, figés à certains endroits particuliers, et là, ils l'ont modifié, mais c'est pas grave. Il faut trouver un bon mode. Et après, tu avais le Nano Blade Trainer, où là, c'est toi qui choisissais exactement ce que tu voulais comme personnage. Et après, Ok. tu allais les positionner à la main. Ok. Alors, il faut juste que j'essaie de me rappeler. Donc là, par exemple, Zenyatta. Tu vois, tu peux les positionner à la main. Ouais. Voilà. Ok. Et après, tu fais ta blade comme tu veux.
Voilà. Tu te les positionnes, tu les choisis. Et après, il y avait une touche pour lancer. Je la connais pas ou plus. Et après, t'arrivais, tu faisais ta blade et puis voilà, tout simplement. Ok. Et là, il m'attaque, donc en plus, tu prends l'information. Et après, tu fais tes trucs. Ok. Mais là, il m'attaque. Ah, c'est pas mal ça. Oui, t'en as plein des modes, il faut les chercher. Comme ça, Ok. tu favorises tes blades. Bon, du coup, si on résume un petit peu là ce qu'on a pu voir aujourd'hui, bien penser à s'adapter sur à chaque fois sur les compositions que tu vois. Essayer de penser plus équipe que de penser ce que toi tu peux. Ah tiens, il y a quelqu'un qui a donné le code. Je sais pas si tu le vois là. Ok. Je vais te le Petit mettre juste 90 après. ADF. Ouais, essaye celui-là. En fait, si tu résumes bien, donc tu as la capacité que toi tu peux avoir pour contrer des personnes, très bien. Mais du coup, si en plus tu peux en profiter pour aller contrer le style de jeu de l'équipe d'en face, c'est encore mieux. Tu auras encore plus de value que de contrer justement qu'une seule personne. Et c'est pour Ouais. ça que dans les compositions, quand par exemple je te prends l'exemple de la rush, bah, tu vas avoir de la rush qui va se jouer avec une Zarya. Je sais pas. Reaper, Doomfist, mais tu vas avoir d'autres styles de rush où ça va jouer avec Reinhardt, D.Va, Makri, Mei, Lucio, quoi. Enfin, tu vois, Ana. C'est pour t'adapter par rapport à la composition d'en face, Ouais. par rapport au combo qu'il peut avoir à leur win condition. Essayer d'éviter de passer dans les effets tunnel. Tu vois, quand tu joues Widow, de te mettre hors jeu pendant 4, 5, 10 secondes où tu fais plus de DPS. Parce que là, du coup, si tu fais plus de DPS pendant tout ce temps-là, ça veut dire que du coup, bah, tu n'as plus de value. Et si tu prends le jeu comme étant deux vases avec des ressources et une quantité de vie, et quand ton eau elle arrive à zéro, tu as perdu, bah, toi, ça veut dire que pendant ce temps-là, tu n'es pas en train de faire des trous sur la jarre d'en face. Et que du coup, eux, ils continuent à te faire diminuer ton niveau d'eau à toi. Et donc, passer un moment, c'est eux qui ont l'avantage. Donc, faire gaffe à Ok. ça. Pour les blades, tu vas t'entraîner avec le code qu'on vient de voir. Ouais. Après, bon, là, on n'a pas parlé de tracking d'ulti, de fait de concevoir des plans de jeu, le fait de faire des combos, par exemple, comme je t'expliquais, à Ainoun pour permettre à ta D.Va d'aller mettre après ça, moi, etc. Ça, c'est des choses qu'on peut voir, mais quand tu joues pas forcément en solo queue. Ok. Parce que c'est dur d'aller setup des choses comme ça avec des gens que tu connais pas, qui sont même pas forcément dans le vocal et c'est vraiment pas évident. Qu'est-ce qu'on a pu dire d'autre? Et la notion de rythme aussi. On en a parlé un peu cette notion de rythme. Si tu joues pas dans le tempo, si tu attaques avant ton équipe, si tu attaques tout seul avec Genji, que ton équipe est loin, tu vas prendre l'attention des 6 personnes d'un coup, tu vas pas durer longtemps. Ouais. Donc cette notion de rythme est super importante. Après, il y a la gestion de tes CD que tu utilises un peu trop fréquemment ou trop rapidement. Je pense Ouais. notamment, tu vois, ta forme fantôme avec Reaper, des fois tu l'utilises et après bah, tu l'as pas pour te protéger. Donc ça c'est plutôt problématique. Il faut vraiment faire attention à ça. Après, pour l'aim, bah, faire attention sur les moments où tu vises et que tu... Si t'as aucun danger, tu peux t'arrêter quoi. Tu vois, tu peux te concentrer et mieux viser. Ça, c'est aussi possible. Ouais. On va arrêter plus Ouais, trop puis après, stress. c'est beaucoup de réflexion sur la composition et qu'est-ce que tu pourrais switcher pour aider ton équipe. Et si tu Ouais. gardes ça en tête, et comment je peux au mieux aider mon équipe, qu'est-ce qui manque pour équilibrer notre composition, là, je pense que tu risques de progresser très fortement. Parce que ton aim, elle me paraît pas mal, hein. En tout cas, t'as pas une aim de quelqu'un qui joue à 2300, quoi. Donc, Ouais. non, le platine, tu dois y retourner très vite, quoi. Y a pas de, t'as rien à faire en gold, en fait. Enfin, de ce que j'ai vu, t'as rien à faire en gold. Hein. Ouais. Donc, c'est plutôt les bonnes choses. Est-ce que toi, t'as des questions en passant? J'ai encore un peu de temps, j'ai l'impression. Je vérifie, mais. Bon, ça va. Bah après, ouais, je pense que t'avais pas mal. Enfin, t'avais pas mal de trucs en point. Ouais, ça marche. Ouais, je pense que c'est bon, ça va. Ok. Ah ouais, tu mettrais Zen, tu le trouves comment avec Genji? C'est un bon combo, non? Zenyatta avec Genji? Ouais, genre là, par exemple, si je joue avec un pote qui joue heal. Ouais, ça dépend. Qu'est-ce qu'il joue avec ton Zenyatta en fait? C'est une question de peeling. Si en face il joue dive et que toi tu joues avec Genji Ana, t'auras zéro peeling sur ta backlane et vous allez être mort.
et Ouais. donc ton Zenyatta il sert à rien. Maintenant, sur le principe, je parle pas du contexte, je dis juste qu'est-ce que Zen peut faire avec un Genji? Bah, il te met l'harmonie, ça te permet de flanquer, de te faire soigner tout en continuant à être healé, pourquoi pas, et il peut te discorder les targets que tu vas l'assassiner. Donc sur le papier, Ouais. tu te dis c'est pas mal. Après, quand tu remets en contexte en fonction de la map, il y a de la verticalité, il n'y a pas de verticalité, tu es sur une composition qui veut plus ou moins poke, etc. Tu as besoin d'un outil défensif ou tu n'en as pas besoin. Tu vois, j'ai envie de dire, aujourd'hui, ton meilleur allié quand tu joues Genji, c'est Brigitte. Ouais, Voilà. ok. Parce que Brigitte va pouvoir assister ta Ana quand elle se fait agresser. Elle va pouvoir donner du peeling. Elle va pouvoir remplacer l'harmonie avec son heal à elle où elle va pouvoir te stacker les packs d'armure. Et tu conserves le fait d'avoir une blade. Un anneau blade. Donc j'ai plutôt envie de dire oui, Zen sur le papier, pourquoi pas? Mais ça va être dur quand même au vu de la méta de faire fonctionner ce truc-là. Ok, ouais, c'est plus trop méta du coup. Bah après, tu pourrais l'avoir. Non, Brigitte quoi. Non, aujourd'hui Ouais. c'est Brigitte dans la méta qui a pris sa place entièrement. Après, Ok. tu pourrais faire Zen Baptiste sur une composition poke avec une hache Ouais. par exemple pour mettre énormément de dégâts et mettre la discorde. Et après, tu utilises les capacités de Genji sans nano, du coup, mais avec une belle halte de la Orisa pour rassembler les targets, pour que tout le monde se prenne le premier dash, et que après, du coup, bah, c'est ça qui fait que t'as pas besoin du nano. Ok, Voilà. ça roule. Est-ce que t'as d'autres questions? Non, t'es pas, c'est bon, je pense. Ouais? Ouais, je pense que c'est déjà pas mal pour un premier truc. Ouais, bah Après, après j'aurais ça. trop d'infos. Hein. Bah c'est ça. Alors je te ferai un extrait. Là je dois y aller parce qu'il faut que j'aille faire un truc dehors. Mais Ouais. je te ferai un extrait de ce qu'on a échangé ensemble. Ok. Et comme ça après tu pourras le re-regarder. C'est vrai qu'une heure c'est un peu court hein, quand même. Hein. Une heure pour un premier cours c'est un peu court. D'habitude les gens j'ai l'occasion de discuter avec eux. Je leur dis à chaque fois oh, une heure premier cours prend 2 heures parce que Ok. c'est trop court. Ouais, bah C'est je prendrai très très court. en vrai. Ça marche avec plaisir. Bah, tu me dis si le code marche Ouais. bien. T'as le Discord maintenant, t'as le Discord de l'académie. T'hésites pas à poser des Ok. questions. Voilà, t'es le bienvenu et tu verras. Tu pourras aussi regarder les autres cours des autres élèves simplement. Voilà, par curiosité. Je fais des coachings de Ouais. team, des choses comme ça. Ok, Voilà. ça marche. Bon, bah, je te dis à bientôt. Bah merci. Ouais, à bientôt. Salut, Ciao. salut stream.